Eh bien, bonjour à tous, c'est Poupoule74, ou Equitrosnagat comme vous préférez, aujourd'hui on se retrouve encore en compagnie de Paquito pour Sun Esperias Remastered. Donc, je sais plus ce qu'on veut faire dans le dernier épisode, je crois qu'on devait aller creuser un trou dans un mur, mais qu'on ne pouvait pas. Ça fait longtemps que j'ai pas record, mais je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Déjà là, la peine. Je suis plus très bien de la prison là. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais ça devrait aller, ça revient. Vous voyez que deux fourchettes comme par hasard. Donc pour que dans un épisode aussi on était devenu facteur. Les organes de foot d'aujourd'hui sont. Paquito, merde. Merde, merde. On est fouillé. On a que ça d'empêche pour creuser un mur, c'est pas bon. Ouais merde, qu'est-ce que donc j'ai plus besoin de trop. On va sacrifier la salopette au pire. On s'en fout un peu de la salopette. Chocolat fondu, merde. Qu'est-ce qu'on peut virer pour du chocolat? Merde. On va les bloquer dans le bureau de Mika. Deux, trois trucs pas très intéressants. Ça, on va les bloquer dans le bureau de Mika. Hop. Je sais pas, je vais faire des dégâts là. Très discret le planquage dans le bureau de Mika. Hein. Dans le bureau de... Putain, j'ai lag. Ah, j'ai lag pendant un moment. Va dans le bureau STP, va dans le bureau. Ok, ça va, putain, merci. On va tout reposer. On va reprendre dans le bureau de Mika. On n'est pas bon, n'empêche, hein. Avec tous les objets légaux qu'on a. Quoi déjà les gens? Lampe. Il veut une lampe en gros. Moi je voudrais une lime aussi. Parce que la lime c'est bien. Un plot facteur, ok. Du bois, ouais non. Bah non, le bois ça sert à rien. Il me faut du bois pour avoir un type d'embrace. On va le prendre. Hein. On va directement faire le type d'embrace, comme ça on est réglé. Mika, un morceau de bois. Nickel, on va y reposer dans le... Et on va aller faire le facteur. D'accord, y'a rien dans sa poche. Alors, Cyprien en a deux, donc on va lui donner. Il est où déjà Cyprien? Ah, oh, d'accord, il est là. Juste en dessous, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, est-ce qu'il en a une? Ouais, il en a une, Jean-Michel. Terrain, il y en a deux. Non, il y en a deux. Désolé, Jean. Sorry, je suis malade. Lettre de Cyprien. Oh, d'accord, il m'a resté que ça à faire, mais dis donc. Mais j'aurais bien trouvé une fourchette. Ou un truc me permettant de creuser. Parce qu'avec trois fourchettes, c'est pas bon. Ouais. J'ai pas déjà comme arme. Ah, j'en ai pas. Merde. J'ai pas d'arme, donc ça va pas les frapper, j'en ai mis. Il faut qu'il y en ait une arme. J'ai une fourchette en arme. J'ai pas une arme de verre, mais une fourchette. Et puis c'est mon pote au fond maintenant. Ce sera mon pote s'il a une arme de verre. Non, mais elle, il y a des larmes. Mika. J'en ai
ouais, bon. Lucas est Morales. Alors du coup, Terrell, aucune arme, Eden, aucune arme, Cyprien, une arme badass, Martien, aucune arme, Jean-Michel, aucune arme, Lucas, aucune arme, Cameron, aucune arme, Morales, aucune arme. Voilà. Lucas aussi, une arme. C'est génial tout ça. On aura de quoi survivre. Tabasse Jean-Michel. J'ai une arme. Oh mec, je t'aime. Allez, on va casser du mur, les gens. J'ai eu ce que je voulais. Oui, je sais, c'était un peu violent de tabasser un mec sur la base juste pour tenter d'avoir une fourchette, mais voilà. D'ailleurs, j'attends la musique de HPM à Iron Gate. Parce que c'est cette musique que j'ai mis là. Allez, on va casser le mur qui est là. De toute façon, c'est celui-là qu'il faut casser. Hein. Je vous en prie. On va casser ce mur-là pour pouvoir après. Oh merde, c'est la pierre de sport. Je vais me reposer pendant la pierre de sport parce que si les gardes ils arrivent, je suis pas dans la merde. Aujourd'hui, on termine ce truc. En fait, là, je sens l'entrée du ruban adhésif. On va pas le prendre, ça sert à rien. Sauf si lui, il vend du petit la lune, non. Hey, Lucas, what are you doing? Là, tu vois, lui, il n'y a rien en fait. Franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. À creuser. M'en fous de me faire tabasser. J'ai qu'un peigne à futer d'important sur moi. Tout ce que je veux, c'est casser ce mur. Comme ça, on pourra mettre l'affiche et on pourra continuer le projet d'évasion. Donc après, il faudra creuser le mur qui est là et il nous manquera une pelle et on peut s'évader. Et peut-être une pioche pour assurer le coup, mais une pelle et ce sera bon. Après, il faudra la pelle max. Hein. C'est important l'appel max parce que sinon c'est pas assez bon. Là, ils sont vénères, mais je m'en fous. Ils peuvent me taper, je m'en fous. Alors, par contre, c'est trop tard parce que le mur est bientôt cassé donc. Tabassager Cameron. Oh putain, pifiche. Cameron, tu vas me suivre jusque chez moi. Ouais, peut-être. Nous allons procéder à la fouille des cellules des vermines suivantes. Adon et Jean-Michel. Cameron. Si pas de cerf, va vous broyer. Regardez-moi quand je vous crie. J'ai le bourre aussi. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on y est. J'aime les steaks hachés. Non, quitte à te regarder tous. Merde. En fait, les idiots, vous allez morfler. Mais je fais déjà idiot, regardez. Allez, mec, je t'attends à la sortie des deux. Et je te pique un pied de biche très discrètement. Personne ne s'y attendait. Et surtout, je vous dis à dans le prochain épisode. Et bye tout le monde.